Actuellement sur la route de Burlington où on va faire du skate. On va passer la nuit là-bas et on ira à White Mountain, un parc national dans le Vermont aux États-Unis. On va pouvoir aller faire du snowboard. On est convaincu qu'on va pouvoir en faire parce que c'était pas gagné il y a plus les deux derniers jours. Voilà, avec la pluie ça a bien fondu. On voit là-bas, ça fait même de la fumée avec la neige. Aujourd'hui, ils annoncent 8 voire 10 degrés, il fait super chaud. Ça fait un écart de 20 degrés quasiment entre deux jours, donc on va voir comment ça va se passer au ski. Et on s'est dit peut-être que la station sera fermée, mais là, vu le temps qu'il y a, c'est sûr que on va pouvoir faire du snow. Je suis sorti de la chambre et là, mon reflet dans le miroir. Aucun souvenir de la soirée d'hier. Pilo, je m'entends tant que je suis sur elle. Je me suis cassé la capitale Bénin. Prends coupé sport, on va sonner. Évidemment qu'il est loué, je fais dans lenteur. Demande monnaie pas sale. Je m'en tape. Tant que je suis dans mon ride sur la cinéga, je fais rien d'illégal. Sur le territoire des États-Unis. On va se goûter une petite gastronomie bien grasse. Bon, moi, Amine était déjà en train de commander à l'intérieur. Mais apparemment, ils font des fries maison. Des frites, des fries. Qu'est-ce qu'on mange de bon? Petite gastronomie made in USA. Ça a l'air bon, ça a l'air bon. Comment passer dans l'huile. Bon appétit. Ah, c'est vrai qu'elles sont bien cuites. Hein. Faut mal. Faut mal. Bon, c'est un bon temps plus pour faire du snowboard, mais on sort les planches et puis bah là tout ce qui est parti qui a l'air pas mal. Ah oui, on va peut-être prendre des chaussures. Je lui fais croire que tu es un fouteux à la godeux. En dépit de l'accent anglais douteux, tu me parles de nous deux, mais je suis plus. Je me pars tout à l'heure. Sur scène 7, je vais faire la fête. J'ai le corps en d'une colle. Pour ça que j'ai les pieds sur terre. Elle préfère se mettre à poil, pensant qu'elle va briller. Ne compte pas sur moi, babe, si tu cherches les billets. Y'a des images qui font que je m'excite, moi. La vie, c'est moins facile quand t'es de Mexico. Ah, t'inquiète pas pour moi sur la Sénéca, j'oublie pas mes gars. On sort de Castenside. Et bodybuild à ma gauche, sans abonnés à ma droite. Suffit d'une faute de frappe sur le tam-tam pour retrouver ton cadavre sur tam-tam. L'univers est pas assez chouï, tout au fond du corps est vibre. La soirée nous paraît floue, à part les cuissons barésies. À leurs yeux on paraît mille, on est 12, gestuels comme Mac Miller. Entouré de bitch, maman mia, les meilleurs même s'il paraît vide. Ma team c'est comme chaque hiver, t'as compris je la quitte jamais. Vu que j'ai le ping serre up, les flics et les filles s'arrêtent. De toute façon, chaque cousine a rien d'impossible. En disant que t'es le pote à Yvick, leurs copines vont payer la tease. Cyprine elle paye en liquide. Tu demandes pourquoi je rappe mieux que toi. Car quand tu vas en boîte tu me tues. Et quand j'y vais il passe mes tracks. Bro il passe mes tracks. Pour un cachet de 20 000 balles. On peut jouer dans ta bar mitzvah. Ou faire ça de la route à l'Olympia. Parce qu'on est 8, 9, 10 dans le carré VIP. Film dans le carré VIP. 10 dans le carré VIP. Ma team est dans le carré bitch. Oui, oui, 10 dans le carré VIP. Film dans le carré VIP. 10 dans le carré VIP. Ma team est dans le carré bitch. Oui, oui, 10 dans le carré VIP. Film dans le carré VIP.
dans les loges, on est trop fucked up. Négligeant la monnaie à défaut d'être. Dans le bon créneau, je connais la manœuvre. À moitié acteur, à moitié autiste. Je suis même pas chanteur, j'encule les gorilles. J'appelle ta grande sœur, je la paye en lardo. La vie c'est pas rose, c'est l'arrêt du cul du nick, pierre au matos. Arrivé dans le carré pour les désarmer. Des années qu'on fout le désarroi. Dans vos discothèques, y'a jamais de rescapé. Wesh la mets, t'as frappé à la bonne porte, mais le videur t'a tapé. Il fait du karaté, donc il a gagné. La meuf a débarqué, donc il a cash palpé. Je sais pas rapper, mais j'ai le million de jours sans Bruce Capé. Règle dans Inglewood, ou avec mon équipe sur un escalier. J'suis le mec le plus frais, des mecs les plus frais, des mecs les plus vrais. Quand le besoin m'appelle, rendez-vous dans l'hôpital afin de payer l'hôtel. Non, j'suis pas dans la salle, mais dans son. Faire du salon, on a ça dans le sang. Ils sont chauves à la boom song. Depuis qu'ils ont vu Marine à 0%. J'la prends pas d'ailleurs quand j'pue de la gueule. Tous mes loups dans le carré vip, on pète parce qu'on est 8, 9, 10 dans le carré vip. Flip dans le carré vip. 10 dans le carré vip. Tu mets dans le carré vip. Ouais, journée qui s'est très très bien passée. Mis à part, bon là on est rentré dans la cellule dans notre chambre d'hôtel. Bon bah on a un petit problème, c'est qu'elle s'est fait mal à la cheville, donc on va mettre du cold dessus. J'espère qu'elle va se guérir parce que sinon le snowboard ça va faire. Non, j'ai même plus mal. Ouais. On a mis deux straps autour de la cheville. Regarde comment tu marches là. Regarde, fais le truc comme ça là. Ouais. Tu vois, je marche bien. Vas-y, on est confiant. Ça le fait. Donc je te dis demain, j'aurai plus rien. Voilà, donc debout 4h du matin et direction le Mont White, le Mont Blanc en français. White Mountain. Bon, et puis demain tu cours comme un lapin. Oui. 7h du mat. Grand départ, non, on devait partir à 6h, on s'est un petit peu raté, mais en tout cas, il fait froid, mais une belle journée en soleil qui nous attend. Oui. Et puis c'est parti direction White Mountain. Go, on y va.
Bon, nous voilà arrivés. Alors, les pistes ont l'air sympathiques. En tout cas, il fait pas aussi froid que le Canada. Très très bon. Un petit portail, c'est parti. Alors, petite visualisation des pistes. Il y a de très grosses bosses là. Mais alors, les conditions sont vraiment super. Qu'est-ce que t'en penses, Minette? Donc voilà, le mont White Mountain. Bon, il y a quelques petites bosses à bord, on voit au fond. Ouais, c'est un mélange de pistes de ski et de snowpark. Voilà, c'est pas les Alpes, mais. Mais c'est déjà plus grand que ce qu'on avait à la vallée du parc. À Shawinigan. Ouais. Donc c'est cool quoi. C'est cool. Alors on va commencer une petite pour Minette pour qu'elle se réhabitue et puis voir si sa cheville ça va bien. Oui. Apparemment ça va bien. On va se passer pour la première descente. C'est normal. Je savais qu'elle allait se gonfler comme ça. Ah mais il y a de la glace là, c'est pour ça. Oui, c'est normal. Je me moque, tu sais. Voilà. Bon, j'étais un peu mauvaise langue. Voilà, il fait raisonnablement. Mais attention l'écart hein. De vendre $5 et je vais vous prouver qu'on peut passer sans cette fameuse carte. Les gens me regardent, je crois toujours qu'ils me comprennent. C'est pas possible. Ah oui, mais non, mais ils regardent la caméra, c'est pour ça. Ils regardent la caméra. Et c'est ses idées, elle a de bonnes idées. Ouais, de toute façon, vous voyez qu'il n'y a absolument pas de barrière. Et de toute façon, c'est en permanence à longueur d'année parce que de toute façon, le système, il n'y est pas. Il doit coûter cher, c'est le système à badge. Il n'y est pas. Mais il y a là. Non, mais ouais, mais il n'y a pas de truc à badge. Regarde. Si. Bon, bref, là, il est ouvert, mais je suis pas sûr que. Non. C'est juste des barrières que pour rythmer, mais il n'y a pas le. Regarde, il n'y a pas de détecteur. Regarde bien. Allez. Je trouve que c'est automatique. Ouais.
derrière. Facilement derrière. Là, les barrières, elles sont trop ouais, là. Et voilà. T'en penses? Moi je trouve ça pour lui, il a pas besoin de bravo, putain, c'est sur la cascade. Oh putain, les fonds. Non, mais je trouve que malgré tout, c'est quand même plus agréable. Mais moi, je pense sincèrement que ça l'en gardonnait comme ça. Donc là, on va quand même faire une dernière descente. Et puis après, on va sûrement aller manger et puis visiter. Visiter le coin parce que c'est pas si agréable. Bon, malgré que c'est gratuit, c'est quand même agréable. Mais non, c'est pas si agréable. Alors bon, l'avantage c'est qu'on a une belle vue ici. Regarde, elle va être au bout de sa vie. T'as peur un peu ou pas? Ah, ça descend sec, hein, mais bon, ça va. Alors en tout cas, il y a une super vue. Hein. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Pas impressionnant, mais. Ça fait une jolie petite profondeur. Attends, je vais y aller en premier. Là. Elle sonne mal. Hein. Bon, au moins, on a une belle vue. Hein. On n'aura pas fait des sales tours en ski ni rien. Donc on a passé deux bonnes heures à faire du snow, très très compliqué parce que c'était très très glacé. Mais en tout cas c'est un très très bel endroit et on sait qu'on va pouvoir revenir parce qu'on a des passes pour une prochaine fois. Et là on va profiter pour visiter un peu le New Offshore tout en direction de, bah, du Québec. Alors, il y a un joli petit coin là à visiter. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau. Ouh là là. C'est qui a fait le con? C'est Doudou! Voilà. Eh ouais, mais je croyais que c'était... Ouais, putain, en plus... Et tu sais que, franchement... C'est moi. Toi tu voulais pousser et tout. Mais j'ai aidé et... Je suis le plus fort. Bon, on va manger ailleurs. On n'est pas obligé, hein. C'est donc ben un beau star. Oh putain, énorme! Ça saute sur d'un airbag. En fait, à mon avis, t'as. C'est star.
Oh, ce truc de fou. Ça, tu descends là. De la glace? Où ça, de la glace? Pas peur de la glace, moi. Et c'est génial, ce truc. Ah bah. Bah ouais, peut-être. C'est ouvert, tu crois? Ouais, t'arrêtes. Cours, cours, cours. Bon courage, Annie. Yeah!